de produits parlent est très, c'est-à-dire très, très intéressant à avoir au salon. Donc, fibre clinique ou les chromaoïdes. Donc, la formation d'Alioma, on va parler de ces deux produits. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, Lioman, ensemble avec Schwarzkopf Algérie professionnelle. Bonsoir. On est ensemble, bonsoir. Bonsoir. Donc, on est ensemble pour faire une formation sur deux produits phares qu'il faut, il est indispensable au salon. C'est des soins et c'est des compléments de patine. Donc, deux produits, les tarifs. J'aimerais bien qu'elle partage maintenant l'expérience d'Elra. Ou on est là pour la lui faire découvrir. En même temps, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Donc, pour les personnes liées à je suis Boucha, je suis la responsable de formation à Algérie Schwarzkopf professionnelle. Donc, Lioma, normalement, on devait avoir Roland avec nous pour cette formation. Malheureusement, il a eu un contretemps, c'est-à-dire un imprévu, c'est qu'à Beyrouth, là où il est, donc, je t'ai oublié les problèmes en Algérie. C'est-à-dire même dans les autres pays. Donc, il n'a pas pu se faire et vous faire de la formation. Donc, c'est-à-dire pour tenir toujours la promesse d'Yana et le rendez-vous d'Yana, donc je le replace pour cette fois-ci. Donc, on retrouvera l'Oman, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Donc, même heure, c'est-à-dire le même site, donc pour un autre thème. Voilà. Donc, sans plus tarder, راح ندير لكم اون بريزونطاسيون نهضروا قبل على لو فيبر كلينيكس دونك اللي راهو اون سادير اي لي ديسپونيبل اون الجيري اي مو جو تروب لي حاجه بزاف مليحه باسكو اي كومبليت توت لي تكنيسيتي كون بو افوار او سال سادير حنايا في هاد لا بيريود هادي عندنا بوكو دو On a beaucoup de travail technique. Oui, les clients, ils disent, ils éclaircissent, ils foncent, ils sensibilisent, ils charment, ils roulent le pâle, ils roulent les piscines, ils utilisent, c'est-à-dire, ils se lavent tout le temps les cheveux, c'est-à-dire, tout le temps les brushing et tout ça. Donc, c'est là où donc, il intervient, le produit fibre clérix, il intervient comme soin. Profond. Donc, mesdames, c'est que je vais partager avec vous une présentation de la fibre clinique. Je sais déjà de quoi on parle, et tout ça. D'accord? Donc, avec en face de vous. Écoutez, vous faites à quand la présentation, Diana? J'arrivais à voir, mesdames. Oui. Oui. Ça bug un peu, mais je pense que c'est la connexion. Normalement, vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci de son ou là. Non, ça va. Et OK, parfait. OK, parfait. OK. Donc, on commence. Le fibre clinique, on va on soulève les objections. Donc, si vous avez des questions ou là, des objections ou là, ça comme cache hajab salon, ou là, vous pouvez pas, vous voulez partager maintenant l'expérience de comment aller de produits à Douma. Je suis disponible, je reste à votre disposition pour vous répondre. Voilà. Donc, où est-ce que tu nous colles comme à l'instant, les cheveux d'Yana, il a tendance à s'abîmer, même au dos. C'est-à-dire, même on fait pas de c'est-à-dire, même quand on fait pas de technicité, la structure, tu as le cheveu d'Yana, elles sont dommages, juste mal l'effet. Externe naturel. Donc, on a les dommages internes. Donc, on va vous parler des dommages internes. Donc, on a dit que les cheveux sont en train de se faire. Donc, donc, la surface du cheveu. On va dire que le cuticule du cheveu, les écailles du cheveu. On va dire le cortex ou la moelle. Donc, les cheveux, le cœur. D'accord? Donc,
Ushisarana qui le Jovidiana, c'est-à-dire son dommage, il s'abîme, Ushisarana, manque de pont disulfur. Le manque de pont disulfur à l'intérieur du cortex, Ushinohomadou, les ponts disulfur, il y a plusieurs protéines, ils forment une chaîne, ils déroulent une chaîne. D'accord? Plusieurs chaînes de protéines, ils déroulent les ponts disulfur. D'accord? Donc, la recherche. Je vais vous demander, de couper le son dialogue. Mesdames, s'il vous plaît. Alors. Alors, s'il vous plaît, mesdames, pour un bon déroulement de la formation, je vais vous demander de faire attention. Ah, bon, oui, dis-moi. Attends, dis-moi. Je vais désactiver les micros voilà. des autres. Normalement, c'est Ananine Kadendera. Normalement, c'est. Je vais essayer de le faire, d'accord? Super, mais sinon, si tu arrives, merci beaucoup. Ouais. Ouais, merci, sinon, merci. Ce que je peux vous proposer, mesdames, c'est que essayez de désactiver, faire attention les micros d'Alcom, et vous pouvez uniquement les désactiver qui connaissent comme une question, ou la désactiver. Parce que là, plusieurs sons, ça brouille la formation. Tout le monde a maintenant. D'accord, merci beaucoup. Donc, quand on comble les pans disulfurés, donc les chaînes kératiniques qui se rompent, on va dire que sur les pans disulfurés, donc on dit char qui est la structure d'elle, elle est endommagée, qui m'a raconté au fond, l'image, elle est à droite. D'accord? Donc, bien sûr, la structure interne va être déstabilisée. Donc, le cheveu d'Yann a forcément manque de brillance, il résiste pas, trop l'élasticité d'Yalou. Donc, il y a des problèmes de la chair. On a les dommages externes ou les cuticules endommagés. Donc, il y a les écailles de la chair. Donc, tu as fait les fourches. D'accord. Et donc, on a les écailles du cheveu qui sont endommagées. Ça veut dire que voilà, la chair qui a fait il commence à c'est-à-dire à être à l'aide ou Kayin c'est-à-dire aussi l'hnaya où il y a pour eux et où les ternes parce que tout ça mène le cheveu c'est-à-dire il mène le cheveu à la brillance le cheveu quand il brille pas ça veut dire qu'il manque il est pas en bonne santé ça veut dire que Sharma il est pas en bonne santé ça veut dire c'est bon à la limite à la houbda qui manque le hnaya il t'abîme d'être là même s'il est naturel il ne brille pas parce qu'il commence à s'abîmer d'accord donc on perd on la perd c'est la force et la brillance on va dire du moraha les fourches du moraha la casse et tout ça donc hnaya et il dit fibre clinique, il va nous aider savant ou à l'âge parce qu'il y a une technologie assez spéciale et très 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 performante. L'itrder elle me répare le machin qui a doma tel qu'elle bichara. Donc il y a une technologie où se met triple banding. La technologie de triple banding bénéficie d'un nom très voilà. Donc, où je nous aide la technologie, en fait, elle va nous permettre l'ion trivalent ou chibéli, il va me permettre de relier les ponts disulfure, c'est-à-dire ils se sont rompus. Donc, il y a comme un triangle, donc il les relie. Donc, c'est des chaînes qui sont pleines de kératine. D'accord, donc c'est de protéines, donc des molécules protéiniques qui vont relier les ponts disulfure d'Yana où il y a l'équilibre capillaire. D'accord, ou la deuxième différence du produit d'Yana, la fibre clinique, c'est la technologie C21. Donc le cheveu, quand il perd de la matière, le C21 à droite, il se rend. Le produit Diana fibre clinique ou chez Audi Dell et Audi Chargé, les C21 Diana, c'est plein de protéines. Donc, plein de protéines. Les Audi Atelier, mon cheveu va retrouver, en fait, il va restaurer l'hydratation et à l'intérieur. Est-ce les produits Tachwarskov améliorer la brillance. C'est le cours Tachwarskov, tous les lundis. S'il vous plaît, les filles, désactivez. Alors, les micros, madame, s'il vous plaît. Voilà. J'ai, parfois, j'arrive à trouver, mais parfois, je les perds parce que comme il y a la présentation, je n'arrive pas à voir tout le monde.
S'il vous plaît, mesdames les micros. Donc, à partir de la charge, la technologie à l'intérieur de mon cheveu, donc, comme au naturel, c'est-à-dire le je trouve comme si qu'il est devenu naturel. Ah, bien sûr, à partir de là, on améliore la brillance. Le cheveu d'elle, quand il devient brillant, à faubler, vous commencez à le réparer. D'accord? Ou bien sûr, sans alourdir le cheveu. Il faut tenir en considération que le fibre clinique, c'est une technologie à part entière, c'est-à-dire elle est complète. En même temps, elle me répare, elle m'hydrate le cheveu et elle laisse le cheveu, c'est-à-dire un mouvement naturel. Ça veut dire qu'elle n'alourdit pas. C'est une technologie qui n'alourdit pas le cheveu parce qu'on a la tendance à ce que le cheveu d'Yana, qui déroule bien les soins, il s'alourdit. Donc, quand on est dans la réparation, il s'alourdit. Donc, le fibre clinique, c'est limite le mouvement naturel, il n'alourdit pas et il répare en même temps. Donc, il y a la technologie, il y a le fibre clinique. Moi, on a découvert la gamme de fibre clinique d'Yana. Donc, le fibre clinique contient, c'est-à-dire le shampoing activateur, tout à fait à votre gauche, c'est le shampoing à appliquer pendant le protocole de soins. Donc, la gamme Hadia, elle est exclusive au salon. Elle est exclusivement au salon. Vous ne la revendez pas. Vous l'utilisez salon d'IL comme besoin technique pour les clients d'IELCOM après un diagnostic, bien sûr. Adrem à la cliente, tu fais où je ressens, où je me les problématiques, les andas et tout. Ou on a cinq besoins. On a cinq besoins existants sur la gamme. Donc, nous avons le shampoing. Donc, c'est le shampoing triple bonding. Donc, déjà, bête dans la réparation, la première réparation. D'accord? Donc, on fait un shampoing ou deux shampoings selon le besoin, au bac, bien sûr. On essore bien le cheveu avec une serviette. Moi, je vais vous proposer deux techniques différentes. La première technique, soit je prends la cliente d'y aller, le poste de coiffage est là pour les clientes, les hommes noirs, ils ont du temps pour la réparation. Donc, je vais dans le poste de travail d'y aller, et là, je vais prendre le masque d'y aller, soit et je lui fais le poste de travail. Maintenant, si votre cliente souhaite le faire et elle est c'est-à-dire un peu pressée, donc on a quand même aussi là toujours le bac, mais moi je préfère même Kindero les soins aussi, c'est-à-dire aussi performants et tout ça, il faut attendre en même temps, c'est-à-dire je vous conseille de le faire au poste de coiffage, c'est mieux. Donc le shampoing Diana, il est accompagné en général, flagrant, il existe deux masques, d'accord? Il existe le masque pour cheveux fins et il existe le masque pour cheveux épais. Donc, juste une information, en Algérie, on a le masque pour cheveux épais. On n'a pas le masque pour cheveux fins parce que généralement, c'est ce qu'on utilise le plus. D'accord? Donc, on a un masque, on a le shampoing, on va dire les cinq besoins d'y aller. Il y a coloration, hydratation, réparation, c'est-à-dire là, c'est selon le diagnostic de votre client. Donc, nous, on découvrira calme. D'accord? Quels sont les produits qu'on peut mettre à la vente au salon? Alors, il y a une question, Katina, la cliente, quels sont les produits qu'on peut. Qu'on peut vendre au salon. Alors, machi huma had les shampoings, d'accord? Bien sûr, je tiens à vous informer, c'est que la marque, le fibre clinique, il y a des soins complets qui accompagnent la gamme qu'on peut avoir pour la revente. C'est-à-dire, la cliente du Jodert, les Lyon Massoins, prochainement, Inch'Allah, en Algérie, on pourra avoir la variété, c'est-à-dire la largeur de gamme, Inch'Allah, à lui proposer à faire chez elle. Mais machi hada, il reste technique. Il reste technique, smart. Salon d'IL comme les proposer. D'accord? Donc, du coup, alors, le shampoing, d'accord? Équilibrer le niveau de pH, adapter Hada pour tout type de cheveux. Donc, les clientes disent le soin, il est conseillé pour tout type de client, c'est-à-dire tout type de cheveux. D'accord? Bien sûr, selon le besoin. Après, Idina, le masque tribande pour cheveux épais. Donc, ce qu'on a en Algérie, le masque Hadaya, Hadahua, le premier soin à appliquer. Avec un mélange, bien sûr, tu as les besoins d'Yaouna. Donc, tu as les boosters, ce qu'on appelle les boosters. D'accord? Déjà, Wahdo renouvelle la structure des cheveux à l'huile. Déjà, Wahdo, c'est un soin complet. Le masque, déjà, Wahdo, c'est un soin complet. Et on va le booster encore plus
avec les boosters d'Yaouna pour répondre en fait aux besoins. Bah, je dis au la cliente à la seule les problématiques de sa chute. D'accord. Donc, qui n'utilise le masque d'Yali, un des 10 fois plus de concentration sur le produit, donc 10 fois plus de réparation. Donc, vraiment, c'est un soin réparateur à 100%. D'accord. Alors, on va dans le haut les boosters. Donc, comment on fait? On prend le masque d'Yana, d'accord? On prend 25 ml. Donc, s'il vous plaît, je vais mettre sur le produit d'Yalcon. Ou je vais mettre ce que c'est-à-dire choix IN et tout, vous allez perdre, c'est-à-dire vous perdre de l'argent fait, c'est qu'utiliser une balance. C'est très important, d'accord? Utiliser une balance pour le masque. Le masque d'Yana, on fait 25 ml, 25 grammes. Donc, on pèse, ça fait un bol, 25 ml du masque très bon, fibre clinique. On va l'éditer, on va l'injecter, les 25 grammes de masque. Je vais injecter les boosters fibre clinique selon le besoin d'Yali, d'accord? Je vais l'indir 5 grammes. Donc, si 25 grammes de masque, je vais mettre 5 grammes des boosters. Qui va calculer les 5 grammes? En fait, c'est des pushes. Donc, tu fais sortir une push, ça te fait 1 gramme. Donc, tu fais 5 gouttes, tu rajoutes 5 grammes à mélanger avec le masque d'Yali. À partir de là, je peux mélanger à l'heure, le besoin d'Yali, je mélange. C'est-à-dire, je vois toujours le premier besoin de la cliente d'Yali. Maintenant, deuxième besoin, maintenant, exemple, j'ai tenu la cliente, ou des cheveux abîmés. D'accord? Des cheveux abîmés plus colorés. Donc, je lui lave normalement avec le shampoing. Hein? Je prends 25 grammes de mon masque, je le pèse. On dit, premier besoin d'Yali, c'est le deuxième besoin. Donc, un des cheveux abîmés, on va de la priorité d'Yali, donc ces cheveux abîmés. Donc, je prends la réparation et je mets 3 gouttes. On va de le deuxième besoin d'Yali, c'est la coloration. Donc, c'est la couleur d'Yali. Et le deuxième besoin d'Yali, et je mets 2 grammes maintenant. Donc, j'ai obtenu les 5 grammes d'Yali, tel le soin. En même temps, Hadi, je vous ai donné par rapport à mélanger 2 boosters. Mais ce qui est bien, mais à la fibre clinique, c'est que nous avons les boosters d'Yali selon la demande et selon le besoin. Quatre besoins, d'accord? Il faut juste respecter le dosage. Si 25 grammes, je mets 5 grammes de booster. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, oui, je continue. Là, c'est bon. Allez, parfait. Merci. Alors, je continue. Donc, Andy, la réparation. Donc, il faut c'est que ce que je trouve intéressant pour le produit, c'est que les ingrédients, ils ont injecté les produits d'Yana sont inspirés des soins de la peau. Donc, vraiment, Schwarzkopf a pris le soin. Donc, les labos de Schwarzkopf, ils ont pris le soin de choisir des molécules qui réparent en profondeur la peau. Surtout la peau, déjà, elle est très sensible. Donc, les molécules sont choisies, c'est-à-dire délicatement. Alors, une bonne nouvelle, c'est que le produit d'Yana ta fibre clinique, il est inspiré, les ingrédients sont inspirés des soins de la peau. Donc, on a la réparation, niacinamide, les fibres, les vitamines B3. Donc c'est une vitamine qui est inoxydant et très puissant, d'accord? Après, la réparation niacinamide, on peut la retrouver dans les soins de la peau. Donc, réduit les signes de l'âge pour la peau. C'est-à-dire, si vous voulez avoir plus d'explications, on s'améliorera pour la peau. Donc, elle va nous réduire les signes de l'âge. Donc, tout ce qui est rides et tout ça. Donc, c'est un soin vraiment très performant. Donc, on va dire que dans le rôle rituel,
Donc, à demain, les dames, les coups de parquet, on va les recevoir, Inch'Allah, bientôt. Mais par contre, on a le vibrancy aussi, donc, on a le pour les cheveux abîmés. Donc, on a le vibrancy, c'est pour les colorations, donc les maintiens de la couleur. Donc, qui nous utilise un booster pour le fibre clinique. Donc, on l'injecte avec le masque Diana, ou on a la protection, tu as le cheveu coloré. Donc, pour protéger, pour la cliente Diana, elle veut protéger sa couleur, les trolls-là, ou là, surtout avec les lavages en ce moment, les aller à la plage, le climat, beaucoup d'humidité, donc le cheveu dégorge et le cheveu coloré dégorge rapidement. Donc, Vibrancy va nous permettre d'entretenir la couleur d'Yana le plus longtemps possible. D'accord? Et il apporte un maximum d'éclat. Bien sûr, donc après, on a la gamme aussi qu'on va, Inch'Allah, la recevoir. On va donner l'hydratation. Alors, l'hydratation, elle est à base de squaline. Donc, c'est un agent hydratant qui prend l'hydratation, c'est-à-dire qui injecte de l'hydratation jusqu'au cœur du cheveu. Donc, il y a les personnes, ils sont en manque d'hydratation. Donc, son cheveu, il est sec, il s'oblige sec, il n'est pas hydraté. Donc, il a besoin d'hydrater. Donc, on a une fibre clinique, on va le choisir par l'hydratant. C'est-à-dire qu'on va injecter le booster, le masque Diana, l'hydratant pour apporter plus d'hydratation à la cliente Diana. La gamme adaptée pour donc, le code couleur. Donc, je t'affole le code couleur. Donc, le bleu Diana représente l'hydratation. D'accord? Bon, le volume, on ne l'a pas. On ne l'a pas sur le catalogue des produits Diana. Parce que généralement, on a besoin de volume. Au contraire, on veut réduire les volumes. C'est-à-dire, c'est pour cela que généralement, les marques, comme si vous avez remarqué, les marques comme les marques Camel, très bien, merci. Donc, les marques Camel qu'on peut retrouver sur le marché, c'est rare où ils n'imaginent le volume. Donc, généralement, le volume. Donc, je pense qu'il n'est pas, c'est-à-dire, c'est un produit qui n'est pas indispensable au sable. En bas d'ayatique, dit les céramides disciplinaires, donc le booster pour discipliner le cheveu. Donc, le code couleur Diallo, c'est le violet. Donc, il va nous permettre c'est un effet antifrise. Donc, il va nous permettre, au contraire, t'as le volume. Donc, il va nous permettre de réduire les frisottés. Donc, les brushing Diallo, de plus dans le temps. Donc, on va le charger son cœur du cheveu de l'épide pour l'hydrater et le discipliner. Donc, son cheveu, il va être sur la pendant c'est-à-dire le process il faut savoir une chose, c'est que quand on fait un soin fibre clinique, mais je me disais les demandes les donc alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand on utilise le soin au bac fibre clinique, c'est que c'est bon, je suis en train de réparer mon cheveu, que demain dès le futur demain la réparation elle continue, c'est-à-dire une réparer fait, c'est-à-dire maintenant tu nous lis l'autre. Mais si exemple je le propose une fois tous les 10 jours pour une cliente, d'accord, tous les 10 jours elle vient faire le soin d'Yala fibre clinique, mais si dans 10 jours il roule là ou la qui tourne les roule là, non, c'est que j'ai commencé à réparer son cheveu, donc quitte à tous les, je vais continuer. Donc, à force d'utiliser le soin Hadaya, son cheveu, je vais retrouver un cheveu plus sain. Donc, juste par rapport à ça, parce que je viens de me rappeler. D'accord? Donc, Hadouma, c'est le shampoing qu'on peut retrouver pour le suivi à domicile. C'est le code couleur d'Yalom, Rahikoun, qui met les boosters. D'accord? Donc, pour récapituler ensemble, donc, la gamme fibre clinique, c'est un produit professionnel au bac, donc pour vous aider à élargir, donc, une cliente qui a désormais des cheveux sensibilisés, elle peut faire une coloration. Un des fibres cliniques qui me répare et je pourrais entretenir sa couleur et réparer son cheveu en même temps. Et en même temps, c'est du chiffre additionnel. D'accord? Alors, qui est les clientes, j'ai remarqué ces derniers temps, j'ai remarqué que les clientes disent non, ils se soucient de la santé de leurs cheveux.
Ben oui, je vous oublie, son cheveu, il a besoin d'entretien, il a besoin de soins et tout ça. Donc, à travers la gamme, elle dit, je peux répondre à son besoin. Et bien sûr, avoir une fréquence régulière, le salon. Donc, Anaïa, je fais une coloration tous les mois. Le fibre clinique, ça aide les yeux à la coloration. Donc, la cliente, elle les chalets, pendant avec le mois, j'ai une proposition d'aller le soin. Donc, vous pouvez l'injecter soit en abonnement, c'est-à-dire pour les clientes l'idée, l'abonnement, donc tu injectes avec l'abonnement le produit dialect. Tu fais par exemple des recrutements à des clientes naturelles. Tu fais des recrutements à des clientes, ils prennent pas soin de leurs cheveux. Et j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui ont testé, comme le retour dialect. Donc, madame Bia, vous partagez le retour dialect, qu'est-ce que ça a donné pour vous. Mais Anaïa, franchement, je l'ai utilisé. Le résultat, il est instantané. Tu peux voir le résultat de la réparation, c'est-à-dire d'un cheveu doux, brillant, soyeux. Tu peux voir avec le jour même, ça se voit. Donc, c'est pas la peine d'argumenter pour la chauffe. Elle va le voir, c'est instantané. Elle va le voir, la cliente, dès que vous commencez à sécher le cheveu, vous commencez à c'est-à-dire, tu dis, il y a une transformation capillaire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Le produit, c'est-à-dire, parle de lui-même. C'est un produit qui est très, très puissant en soins, en ingrédients de soins. Donc, Anaïa. Là, je vous ai complété la gamme de fibre Clinix. Alors, du cas, Mme Bia, je réponds à vos questions. Donc, si vous avez, c'est le moment, avant de passer le deuxième produit, Diana, les Hua, le Chroma ID, Mme Bia, ça sonnait où je me fais un tour, ou là où je fais un tour, ou là qu'est-ce que vous en pensez, ou là, vous me dites vos retours. Si vous avez utilisé Pololé, c'est super. Moi, je suis en train de lire si vous avez des questions. En attendant, j'attends vos questions. Quels sont les produits qu'on peut lire? Voilà. Alors, Balou, Olofaïda, Kaltina, Blé, utilisez toujours le même dosage. Oui, il faut respecter le même dosage. Donc, 25 grammes injectés au ferme. Donc, 25 grammes injectés au ferme, 5 grammes. Donc, moi, je trouve que c'est 30 ml pour un cheveu, c'est largement suffisant. C'est-à-dire, vraiment, vraiment, il ne faut pas aller au-delà. C'est déjà, c'est-à-dire, à 30 grammes de max, c'est déjà, il va vous couvrir un cheveu long normal. D'accord. Maintenant, comment l'appliquer? Alors, comment je conseille l'application d'Yalo? C'est que vraiment, vous essorez les cheveux. Vous les essorez le shampoing d'Yalo. Et vous allez l'appliquer mèche par mèche. Donc, section par section. Vous départagez le cheveu. Et vous appliquez avec un pinceau. D'accord? Vous appliquez un pinceau. Donc, bien sûr, on évite de mettre les soins généralement sur le cuir chevelu. Donc, ça ne sert à rien parce que l'hydratation, elle est déjà, c'est un cheveu, il vient de naître. Donc, on a quand même les capacités dialogue. Généralement, on met les soins sur les longues réponses. Donc, vous prenez des séparations fines, vous appliquez le pinceau dialogue comme trois points. Tac, tac, tac. Donc, zone intermédiaire, mi-longueur et longueur. Je fais bien passer mon masque. Et je passe le pain derrière. Unzi, à côté, unzi talabla, blablabla. Je pense, moi, dans tous les cas, dans les catégories Winstamilt, le masque, un 30 grammes, c'est largement suffisant. Minda qui prend le gars. D'accord? Donc, oui, si vous avez, par exemple, Ida, la cliente, dit comme Makfaha Sah, c'est-à-dire, son cheveu est vraiment épais, très lent, fourni, tout ça, vous pouvez refaire les mêmes doses. Donc, Audi, la même chose, donc 25 ZDO5. D'accord? On entend un bruit de fond. Normalement, ça s'est coupé. D'autres micros, s'il vous plaît. Alors, il y a Iman qui nous dit comment être un salon, c'est une question, c'est-à-dire mes chiffres sujets, mais bon, on va vous répondre la page. Donc, comment être exclusif, c'est-à-dire partenaire maintenant.
et les conditions. Maintenant, les conditions. Donc, on est là pour vous, juste vous guider et vous coacher par rapport, c'est-à-dire par rapport à toute technicité. Donc, on a une équipe très complète de formatrices et de formation et de commerciales. Donc, essayez d'envoyer tout à l'heure sur la page Algérie Schwarzkopf. Où il y a de répondre. Le plus bateau, le plus commercial, et tu pourras être cliente. Voilà. Oui, déroule les formations. Pour l'instant, on est malheureusement un peu bloqué par le COVID et tout ça. Donc, on essaye de se réunir par aide le lien, donc Zoom. Donc, deux fois, minimum une fois, ça dépend par semaine, minimum, c'est une fois par semaine. C'est-à-dire, on se réunit sur Zoom et on fait des formations en attendant que les. C'est-à-dire la situation sanitaire s'améliore, ou l'académie, et oui, ça sera des formations complètes. Donc, on vous invitera, Inch'Allah, et on va plus, c'est-à-dire il y aura plus de partage, plus de pratique et tout ça. Ce n'est pas évident de faire que de la théorie, je comprends parfaitement, surtout pour nous, les techniciens, c'est un peu compliqué. Qu'à chaque fois, il faut un produit et on ne le travaille pas. Mais bien là, donc de rien, Felda. Alors, on peut utiliser sur les cheveux défrisés. Oui, on peut utiliser sur des cheveux défrisés, pour tout type de cliente. Donc, une chauffe au barque, la cliente, le besoin de ma cliente barque par rapport à ça, oui, pour les lissages et tout ça, donc par rapport à la demande d'Yala, barque. Donc, une chauffe, la cliente, il est pour tout type de cheveux, donc il n'y a pas de contrainte. C'est un soin, il répond à tout besoin. C'est-à-dire, la cliente dit comme des maladies diagnostiques et propose lui fibre clinique, peu importe le. Je l'ai affiché là. Je vous en prie d'avoir répondu. Je vous en prie, madame. Alors, concernant Vibrance. Alors, on a une question qui concerne Vibrance. Est-ce que j'ai la lotion activatrice et le gel activateur? C'est quoi la différence entre les deux? La lotion activatrice, c'est le gel activateur. Alors la lotion activatrice, elle est plus légère que le gel activateur. D'accord? Tout simplement, les deux, c'est des diactivateurs qu'on les trouve Flagam Vibrance. Donc, je réponds juste à Madame Ben Ali. Donc, nous avons 6 volumes. Donc, Fessivonim, ta Vibrance. Donc, c'est la même chose. C'est juste que la lotion activatrice, Mistamloha, on mélange, il va être un peu lourd. Ou le gel activateur, Mistamloha pour les patines. Mistamloha pour les patines pour faciliter, en fait, la diffusion du produit d'y aller avec un biberon. D'accord? Mais le khidma d'y aller est la même. C'est-à-dire, ils font le même travail. Voilà. Je continue, c'est super. Pardon, Bouchra. Vas-y. Pour conseiller nos clientes pour le soin personnalisé, on les conseille pour faire entre la gamme shampoing hydratant plus de bonne couleur et le shampoing couleur avec le spray abîmé. On peut? Ah non, non. On garde. Attends, pas la même place. Alors, je vais vous dire. Alors, le diaporama qui est en face de vous, donc pour l'instant, mazal ma drenage, d'accord? Mazal, c'est le suivi à domicile. D'accord? On n'a pas encore la gamme. Pour l'instant, haouli kouchandma. D'accord? Pour l'instant, on a le fibre clinique technique. On n'a pas la revente. D'accord, on n'a pas la revente. Okay. Mais après, oui, les boosters maternels, tu peux les mélanger entre deux ou trois boosters, okay. Selon le besoin de la cliente. Il n'y a pas de souci. Yeah. C'est-à-dire, okay. Mais je ne sais pas ce que l'azim dir wahed bark, donc 5 grammes wahed. Je respecte les 5 grammes, mais je peux les départager selon le besoin d'y aller, les boosters. D'accord? Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, généralement, c'est un soin, mais il est réparateur. Généralement, pour un enfant, une petite fille, ou là, elle n'a pas besoin de réparation. Parce que les cheveux de bébé, ils ne sont pas stables. C'est-à-dire, ce n'est pas
c'est pas un cheveu final, c'est-à-dire il va encore se transformer. Donc Anna, je conseille toujours les mamans les عندهم داري صغار ما يخلطولهم في شعرهم jusqu'à ce que la fibre se stabilise. C'est-à-dire ça reste toujours un cheveu de bébé, un cheveu d'enfant. Donc mazal le cheveu ديالها il est pas mature. Donc Anna il y a des donc il y a pas de c'est-à-dire je ماشي حاجه اللي حضر ses cheveux. D'accord, c'est de la réparation, mais je ne trouve pas le besoin. Mais qu'ai-je besoin pour le faire? Les filles, les petites filles, tout ça, ils deviennent un cheveu mature, ils stabilisent la croissance bio. Donc, en réalité, vous pouvez conseiller, c'est-à-dire vous pouvez aller vers les soins. Donc, moi, pour moi, c'est ça, c'est la réponse que je pourrais vous donner. Alors, merci à vous Yasmine. L'académie sera située où, s'il vous plaît, sur Alger ou Oran. Donc, on a deux académies, ce qui est bien. D'accord, on a deux académies, une académie sur Oran et une autre académie sur le centre, donc Alger. Donc, vous allez bénéficier des formations pour les deux régions. Voilà. Pour l'utilisation des shampoings, après ce soin, on utilise seulement nos shampoings ou bien ceux de CDX. Alors, je conseille toujours les clientes qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui ont des problématiques de fibres capillaires, nous conseillons des shampoings professionnels. Donc, je vous conseille toujours d'utiliser des shampoings professionnels. Donc, tout ma autant que coiffeuse, conseillez les clientes qui ont des shampoings. Les fibres cliniques reste un soin complet au salon. Quand il comble, c'est-à-dire on fait la continuité, on répare son cheveu, c'est un soin complet, d'accord. Mais bien sûr que la cliente dit comme elle continue à prendre soin de ses cheveux, c'est tout à fait normal. Sinon, ça sert à rien de réparer les morts d'autres, c'est la Vénus de zone. Bon, excusez-moi mais exemple, un shampoing qui n'est pas réparateur, qui ne prend pas soin de ses cheveux. Donc c'est sur ça part. Quand on fait de la réparation, l'asthme complète le soin d'Yalifdal. Donc, on fait des mèches, on fait une coloration, on fait une décoloration, on fait pas mal de techniques. On va d'une des fibres cliniques pour le réparer. OK, c'est bien. C'est un bon début. Donc, on continue à le faire. Mais chez soi, il faut qu'il y ait un produit professionnel. Nous n'avons pas les cheveux avec n'importe quoi chez vous. Donc, nous sommes comme conseiller les clients d'Yalifdal. Et après, voilà, c'est elle qui prend, elle prend les conséquences en main. Non, elle est bien obligée de gagner de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui prend en considération une conseillère. Mais là, on le fait systématiquement. Là, en tant que coiffeur, on conseille systématiquement la cliente Diana blessure. D'accord. Super. Merci. Ok. Merci. Ok. D'autres questions, mesdames, pour le fibre clinique? Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Sinon, ça va? Alors, je peux poser une question à Nayama, là. Comment on applique le fibre clinique sur le salon? Comment on peut l'appliquer? Ah, je connais que les jobs. هيا اما باش نعرف بلاكم معايا نقدر نبدا فور اسيي يعني انت يا برك دي اللي هدرتي دوك غير انت يا وباك علي قولي لي alors d'après la formation تاع اليوم و avec celle qu'on a fait avec Bachir la fois passée c'est ma on fait le un shampoing d'accord on va on ne sèche pas les cheveux, on déroulera la serviette, on essaie avec une serviette. On va choisir avec le soin, le masque traitant, soit cheveux fins ou là, soit cheveux épais. D'accord. Il suffit, on l'applique le. Qui m'a goûté, c'est pas la peine le bac, c'est pour donner la valeur, le soin. On applique le soin normal, soit seul. Si les cheveux sont naturels, yani, ou ils ne sont pas vraiment
un état catastrophique, je pense. Sinon, on va prendre les boosters. Les boosters, on a 5 grammes. On a 5 grammes en tout. Très bien. Il a un seul problème, c'est 5 grammes. Les 5 grammes, c'est un dirou les pchits. 5 pchits. Sinon, c'est... il a un mélange de deux boosters. Le premier fait 3 grammes. Nous allons prendre le problème principal. On a 3 grammes. Ou le reste, comme le secondaire. Très bien, parfait. Parfait. Normalement, il a un bon point. Merci pour la réponse. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, ma connais chose qui est très importante, tu as le temps de pause dialogue. Aïe, les dernières informations, quand on a le temps de pause dialogue. Entre 15 et 20 minutes, je pense. Très bien. Donc, entre 15... pour des résultats meilleurs, 20 minutes. Exact. Voilà. Exact. Au maximum. Exact. Très bien. Donc, pour ces 15 à 20 minutes, et la cliente dit elle est pressée et je l'ai fait au bac et tout, minimum c'est 10 minutes. Donc, minimum c'est 10 minutes. D'accord. On a un temps de cliente qui dit bon, je n'ai pas le temps. Nam, nam, nam. Je peux lui appliquer au bac mèche par mèche et je la laisse poser 10 minutes et je rentre. Bravo. Alors, il y a des questions. Alors merci Zahira, c'est elle qui a répondu à la question, donc je te remercie. Donc elle quitte bien mal. Bravo. C'est Lilia, c'est pas Zahira. Ah Lilia, pardon, excuse-moi, c'est Lilia. Il n'y a pas de mal. Allez, merci beaucoup. Donc elle quitte bien, je te souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Hein. Merci à vous aussi. Donc sans vous, je serais pas là. Donc قدوا معنا à jour et comme ça vous allez inchallah تكبروا معنا. Et on pourra se voir très bientôt, Inch'Allah. Donc, c'est une bonne question. Le soir. Donc, la dernière fois, j'ai fait pour les personnes qui nous ont, j'avais fait un petit calcul sur le calcul de gain. Donc, Anaya, j'ai proposé et après, ça reste une proposition, c'est selon vous. Et vous voyez, c'est-à-dire, je ne peux pas faire un calcul, je ne peux pas faire un calcul qui est dans le même prix que celui qui est dans le même prix. Donc, ce n'est pas le même prix de la location, ce n'est pas la même catégorie de clients, les charges ne sont pas les mêmes. Donc, bien sûr, il va être un peu différent. Mais nous, chez Schwarzkopf, on a fait un calcul pour vous. حنا درناه لكم لو بلو لوان بوسيبل لقينا بلي كي تحسبوا لو سوان ديالكم ا بارتير دو سادير مينيموم سي 1300 راكو رابحين في لو سوان تاع فيبر كلينيكس مينيموم ديجا سادير لا باز 1300 دينار دونك 130000 لو سوان ديالك راكي رابحه في 70% دونك ربحتي في لو سوان ديالك 70% سادير بار رابور ا لاشار تاعو دونك سي ديجا با مال دونك ديجا حنا باش نقول لكم بلي باغ اكزومبل اون بيرسون لي جايا جايا سادير ما عندهاش لي كليونت ما عندهاش بوتنسيال داشا ما عندهاش بزاف لا دوموند اي تو سا ان بو كومونسي باغ 1300 دينار اي لا نقول لها بلي راكي رابحه فيه 70% راكي رابحه سادير ما حاش تخسري كي تخدمي ب 130000 ما راحش تخسري تاع كي رابحه ماتنو كاع واش يجي فوق 130000 تاع ان كاع سوبليمونتير C'est-à-dire, Hadja Ziyada Likum. D'accord? Donc, j'espère que vous faites tous les messages d'Ali, sinon vous me dites. Ah, ok. Donc, j'ai répondu à la question. Maximum, c'est 20 minutes. Donc, 15 à 20 minutes, je laisse le temps de pause. D'accord? Ok, c'est bon. Merci. Lina, 1300. Oui, Lina, j'avais 1300 Lina. C'est un bon soin avec les prix imbattables. Exactement. De toute façon, à 2500 dinars, si je ne me trompe pas. Ok, donc moi j'ai dit minimum c'est 1300, ouais, 1300 dinars minimum. Après, je n'ai pas dit de maximum, c'est selon Ntouma ou les clientes d'Yalcom ou le pouvoir d'achat à les clientes d'Yalcom. Je reste, c'est-à-dire, je reste ouverte par rapport à ça, mais d'habitude, c'est-à-dire, pour le com, au moins, شحال ب 130000 راكي رابحه ديجا 70% دونك فو بوفي بروبوزي براتيكمون ا تول موند دونك ان سوان ا 1300 دينار موا جو تروف كي لي اكسيسيبل سادير كل وحده فيكم تقدر تخدمو كل كليونت سا فو بوفي بروبوزي ا لي كليونت اي
n'hésitez pas parce que le résultat il est instantané. حاجه واحده اخرى اللي قبل ما نغلق لو فيبريك مينيكس ونروح لكروما اي دي لازم نقول لكم حاجه c'est que profitez des produits Schwarzkopf parce que en Algérie c'est des prix imbattables. C'est-à-dire زعما par exemple باش تروحي ديري un فيبريك مينيكس à l'étranger ça va pas vous coûter 1300 dinars. Le prix d'Yalo, il va être beaucoup plus cher. D'accord? Les prix d'Yaouna de Schwarzkopf en Algérie, ils sont vraiment c'est des prix très, très raisonnables et ils ne sont pas chers du tout par rapport à ce qu'on peut retrouver, les prix qu'on peut retrouver à l'étranger. D'accord? Donc, tout ça, c'est Schwarzkopf Algérie qui s'est battu par rapport à ça pour vous offrir le meilleur avec des prix accessibles. Donc, c'est pour cela que n'hésitez pas à proposer à vos clientes et gagner voilà, au potentiel de vente. Voilà. On fait apport de chaleur ou pas besoin? Ah, pas besoin d'apport de chaleur. Maintenant, si vous voulez jouer un peu plus, c'est-à-dire, est-ce qu'on apporte de la chaleur? Non, je me dis reset. Ah, salut, reset. Donc, je me dis, il n'y a pas besoin. Sauf si vous voulez, par exemple faire plus de... C'est-à-dire faire plus de chaud. Par exemple, vous enveloppez avec du papier cellophane ou là, vous mettez, je ne sais pas, donc les appareils tels comme de soins et tout ça. Tout ça, ça va être un plus. Ça va être un plus, mais c'est de la réparation instantanée, c'est-à-dire il y a au-delà, en dehors de ça, elle n'a pas besoin. Mais si vous voulez plus, et par exemple pour justifier la tarification d'Yalo, vous pouvez jouer qui m'a tapé. C'est à toi de voir. D'accord? Sur les résultats des produits. Alors, est-ce qu'on peut avoir une démonstration de vidéo? Alors, je vais vous envoyer plus tard. On va peut-être demander à Rania de partager sur la page des résultats de fibres cliniques sur la page Insta. Donc, tout à l'heure, on va partager des vidéos sur les résultats de produits sur Insta. Donc, on va demander plus tard, est-ce que vous postez ou non? OK. Ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, le balayage, moi, la coloration, c'est un soin. Ça reste un soin. Il n'y a pas de limite. Mais fais une limite. Je t'en prie, Lisette. Ça va pour le fibre clinique? Alors, dites-moi, ça va pour tout le monde? Je peux avoir, Neda, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Comme ça, je vais partager le deuxième. Il n'y a pas de souci. Merci. Le deuxième volet de la formation, c'est que Rahana Hadro, elle a l'écran ID. L'écran ID. T'as la forme l'écran ID? Je pense que c'est bon. Oui, merci. Alors, dites-moi, mesdames, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience avec l'écran ID et qu'est-ce que vous en pensez? Aïe, Rololé, est-ce que vous avez déjà utilisé Personne n'a les Chroma ID. Alors, donc je vais vous présenter une gamme exceptionnelle de choix. C'est une coloration semi-permanente. Alors, Narima, alors, c'est pas une coloration. Bon, on peut appeler, coloration, c'est un masque, mais oui, c'est des masques pigmentés. C'est un masque. Voilà, c'est un masque. Allez-y, dites-moi, c'est un masque. Bon, c'est un masque qui s'applique sur des cheveux blancs pour avoir une coloration semi-permanente. Sans engagement. Très bien, sans engagement. Parfait, parfait. Alors, les Chroma ID, comme elle vient de nous dire Naïma, c'est des masques pigmentés. Les masques pigmentés, عندنا في les Chroma ID, عندنا زوج منهم. D'accord? عندنا les petits formats, on a appelé des masques intenses, des masques pigmentés intenses, عندنا les 500, donc un peu plus grands, ou c'est des masques pigmentés. Donc, où est la différence entre
c'est que Hadouma, ils sont très, très concentrés en pigments. Le résultat sur qui sur des bases très claires, donc sur des bases très claires. Donc le pink qui sort les ou le rouge qui sort les ou le violet, donc je l'applique en masque sur des cheveux très clairs 9-10 ou sort le résultat. Par contre les masques Hadouma, donc les masques pigmentés Hadouma, on va trouver des numérotations, la codification de l'homme qui m'a Igora, d'accord. Donc, la codification des lames normales. Donc, il y a des bases, il y a des reflets férons. Les masques, par contre, on les utilise pour l'entretien des couleurs. Soit l'entretien des patines, soit l'entretien des couleurs les holobzèves. Par exemple, ma cliente, elle fait du cuivré et les couleurs de la fin de la période et tout, ça y verrait rapidement. Donc, elle a aussi une lèvre. Un des shampoings pigmentés adaptés, la couleur limafadiala, le cuivré, et je l'applique en masque pour l'entretien du cuivré diala. Voilà, Hadouma, l'introduction, tu as le produit diana. Maintenant, nous allons un peu plus loin, flécroma et diana. Donc, le minimum, c'est-à-dire la rétention d'eau diala, tu auras jusqu'à 15 shampoings. Jusqu'à 15 shampoings. D'accord? Donc, il faut que tu aies fait. On est en train de parler d'un masque. Bien sûr, le masque Diana Telechroma ID, il a une technologie renforçatrice de liaison. Donc, la technologie renforçatrice de liaison intégrée. Donc, il est réduit en sodium. Donc, assort un dépôt de pigments maximum. Donc, les pigments diaoul, comme tu as le produit, comme il va s'accrocher très sur le. Il va s'accrocher à la surface du cheveu, donc parce qu'il est réduit en sodium, aucun de la kératine, donc une molécule synthétique qui remplace la kératine naturelle, qui va sceller les cuticules du cheveu. Donc, and le pigment, la couleur et le soin. Hadouma, bien sûr, c'est des masques qu'on applique après le shampoing d'yali. Donc, j'applique normalement. Décoloration. Même chez décoloration, même pour un entretien. Par exemple, la cliente d'Alidjet, elle a fait un blanc beige encore, non? La patine d'Alha, c'est à la piscine, à la piscine, ou la patine d'Alha, à la piscine. L'Iom Jet lundi, et elle veut entretenir sa couleur. Mais Mandash de l'autre, je patine. Moi, je vais lui proposer en contrepartie le masque Chroma ID pour raviver la patine d'Yala. Donc, je vais trouver des 9,5-4. Je fais sans shampoing, je sors sans cheveux, j'applique sans masque sur les longueurs et pointes camel, même en racine s'il le faut. Donc, je l'applique camel, je laisse poser et je rince bulk. Et la cliente d'Yali, je vais raviver sa patine. Donc, l'assortiment d'Yalo, donc, quand on a les pigments intenses, donc les masques Hadouma, pigments intenses, ou on a les masques pigmentés, d'accord? Ou on a les pastillisants, donc le brillance, le 000, qu'on retrouve à chaque fois que les gammes d'Yamna Kamel, donc on retrouve Vibrance, qu'on retrouve le masque Hada, alors Hadia, les masques brillance ou pastillisants, c'est un masque la flèche reflet à l'intérieur. Donc, il n'est pas pigmenté. Il est fait en deux possibilités. Généralement, pour diluer la couleur, maintenant, je veux obtenir un rose qui soit pastelisé, donc pastel, clair, ou chingarana. Je mélange le 000, mais la quantité, le pink, je l'applique, je vais le diluer. D'accord? Et je peux l'appliquer seul, il n'y a pas de souci. Donc, si je n'ai pas besoin, j'ai besoin que de brillance et je n'ai pas besoin de neutralisation, je peux appliquer le masque brillance parce qu'ils ont retour. D'accord? Donc, nous retrouvons les intenses, les pigments intenses, on retrouve la gamme des pigments intenses. Donc, on a le dépôt maximum de couleurs sur les cheveux pré-éclaircis. Donc, on a le pink, on a le rouge ou on a le violet. On a les trois couleurs, le pink, le rouge et le violet. Hadouma, c'est des pigments intenses, c'est-à-dire tu vas avoir du rose et du rouge et du violet sur le blanc d'yale, bien sûr, qui partiront avec les shampoings, les lavages. Donc, c'est des masques, donc il n'y a pas ces zones d'engagement qui m'a dit, Madame Roubine. Donc, tenue à 15 shampoings maximum.
qui nous l'a reposé 20 minutes. Genre, en l'appliquant en masque, nous l'a reposé 20 minutes. À partir de là, je peux la couleur de l'huile va entretenir. Bon, bien sûr, tu peux être au blanc. Mais si le 15 en boîte, alors tu peux être au blanc. D'accord? Donc, zéro engagement, on va retrouver la couleur de base. Donc, on va retrouver la couleur, les quintanames. Après Ejona, les masques pigmentés, les rétentions d'eau dialogue jusqu'à 12 shampoings. Donc, c'est déjà pas mal. Ou Hadou Romani pour l'entretien, soit des couleurs, soit l'entretien des patines. D'accord? La cliente dit allez, Jet, elle n'a pas le temps pour faire une patine, ou là, d'être la patine à 15 jours, ou elle ne veut pas la refaire. Je peux équilibrer avec un masque pigmenté. D'accord? Je laisse poser 10 minutes. Donc, je fais son shampoing. Je fais la couleur, c'est-à-dire de mon masque adapté. Je laisse poser 10 minutes et je rince. Je vais raviver la patine d'Yala et la couleur d'Yala. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, on a 6 références déjà, les plus utilisées au salon. Je pense si je ne me trompe pas. Sinon, quelqu'un me corrige. D'accord? Donc, Noloho. La brillance pastillisante. Donc, le knakir comme elle est à le 000. Donc, soit on l'applique seul, donc, on a un hada de 500 grammes, ou hada, c'est pour la revente généralement. Donc, on a besoin de ça, on est des salons, donc on a besoin de ça. Alors, soit je l'applique seul, mais généralement, je l'applique pour la dilution. D'accord? Donc, je le dilue avec une autre référence, qui est une pigmentation d'yala. Une pigmentation d'yala. C'est selon le besoin. D'accord? C'est selon le besoin. Par exemple, un pastel très, très léger. Donc, j'utilise, exemple, j'utilise par exemple, je dirais 15 grammes de mon violet. D'accord? Et 75. Alors, je suis là, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une coupure, bien maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a eu. On est toujours, la matière a désactivé le partage d'écran. S'il te plaît, tu peux me redonner la main, s'il te plaît. D'accord, Bouchara, attends. Ouais, je sais pas. Alors, désolé, mesdames, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une coupure.
On a des questions? C'est bon? Ouais, j'arrive. Voilà, j'étais là. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, oui. La présentation. Oui, ça va. Ouais, très bien. Vous avez des questions? Il y a un problème. Oui, il y a eu un problème. Donc, désolé. Alors, je continue. La lotion 0W0. Donc, j'allège bien en pigmentation d'y aller. Donc, je la mélange avec le masque d'y aller pigmenté. J'allège la concentration d'y aller quand il y a. Qui est un icône visible. Donc, je le mets au dos. Ou qui je joue la couleur. Donc, il n'y a. Donc, la limite, il est sans limite, c'est-à-dire et tout. Donc, il faut tenir des masques. Donc, il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi. C'est-à-dire, manchafouhanch. D'accord? Ou hadjoukhara, c'est que le 0W0 d'Yali, il apporte que de la brillance. C'est-à-dire, même si je mets plus de quantité ou là, ne vous inquiétez pas, il va juste diluer la référence d'Yali. Hadamata. D'accord? Ça va? Alors, comment l'appliquer? Généralement, un service pastel, c'est-à-dire pour des couleurs claires. Donc, il y a une décoloration minimum sur une base de 9. Bechi benouli, les résultats, tu as les intenses. D'accord? Par exemple, le pink, je l'applique sur un cheveu naturel ou la elle est colorée sur une base de 5 ou la 6, ça ne va pas se voir. C'est-à-dire, ça ne va pas être visible. Donc, si vous voulez vraiment avoir l'effet, les couleurs, donc il faut que la base minimum soit sur un 9. Alors, je dois vous conseiller, comment l'intégrer le salon d'Yalcom. Donc, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une cliente qui a dit qui fait ce salon, qui fait ce que je le propose, qui fait ce que je l'intègre au salon. Comme c'est des masques, bien sûr, la rétention d'eau d'Yalom, tu as maximum du shampoing, mais les shampoings pigmentés. Les pigmentés intenses, ils chutent jusqu'à 15. Donc, exemple, je tenais la cliente dès la patine d'Yala où je lui propose la première des choses parce qu'en fait, les patines, ils chutent quand même jusqu'à 25 shampoings. C'est-à-dire que ça va chez un shampoing. En gros, j'ai une cliente, elle avait fait sa patine la semaine passée ou là, où généralement, on m'a label comme mesdames, que la cliente qui est kératinée, les patines d'Yaoula, il ne tient pas longtemps, donc il dégorge rapidement. Donc, la cliente d'Yali, Mandash le budget, à chaque fois, elle refait sa patine. Mandash le budget, à chaque fois, des patines 2000 dinars, d'accord? Donc, je trouve un équivalent. Blechroma a dit d'Yali. Donc, je lui propose un masque chroma ID sur les longueurs et pointes pour raviver sa couleur le prochain mois ou le mois d'après. Donc, par exemple, parce que généralement, c'est trop cher. Tous les 15 jours, là, tous les 20 jours, je refais ma patine, ça lui revient trop cher. Par contre, avec les masques chroma ID, moi, j'ai fait un calcul, je me suis trouvé, on peut les proposer à partir de 800 dinars. Donc, c'est un masque, ça reste un masque pigmenté. D'accord? Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, pour la cliente Lima Andhash, le budget. Lima Andhash, beaucoup de temps, je peux lui proposer le Chroma ID comme entretien au bac. D'accord, mesdames? Donc, nous avons le salon d'Yana comme un équivalent, si vous voulez, un équivalent de patine. Ce n'est jamais une patine. Donc, ça dégorge plus rapidement. Donc, ça dégorge bref, d'accord? Mais ça équilibre quand même. Donc, ça équilibre la patine. Elle est quand même stable jusqu'à prochain shampoing. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on a des questions? Alors, on a des questions. Si ma cliente ne veut pas de patine après son premier balayage, elle peut avoir recours à ce produit à chaque fois qu'elle veut raviver sa couleur. Oui,
elle veut ça. Mais après, il faut trôner là, ça reste des masques. Ça reste des masques, c'est-à-dire la pli, ça remplace jamais des patines. Après un balayage, de préférence, on fait des patines. On ne fait pas directement le masque, d'accord? Déjà, les pigments, ils s'accrochent. La décoloration vient aller. Ou par la suite, il délie l'entretien. Mais directement, ça donnera l'effet. Ça donne un effet, mais ça reste pas aussi intense qu'une patine. D'accord. S'il vous plaît, le 9A, le 9,5A. Là, le blanc, il compte. Eh bien, c'est bien le masque en patine. Alors, le 9,5, vous savez, les 9,5, c'est partout pareil. Donc, si vous avez un résultat d'un 9,5, vous avez un minimum une base de 9. Donc, par exemple, si tu fais un 9,5, même en patine, ou mais écoute, j'ai un peu les bonnes formes d'éclaircissement, tu ne vas pas obtenir un bon résultat. Mais c'est comme un affaibli 1 qui m'a allé mécher. Alors, le masque, c'est encore plus. Le masque dialecte, c'est encore plus. C'est-à-dire, il ne va pas. C'est-à-dire, ma hachi appelle cam, d'accord? Parce que le fond d'éclaircissement, il n'est pas encore atteint. Donc, là, c'est un problème de fond d'éclaircissement. Alors. Conseillez toujours les clientes à faire des patines systématiquement après les balayages dialants. Donc, il ne faut pas donner le choix. En fait, ne donnez pas le choix. Intégrez-le, mais le service de décoloration. Intégrez dedans, systématique. Donc, haoulik le prix, tel le balayage dialant. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas trop lire le balayage dialecte du produit de décoloration. Il sera le kagda, plutôt le produit de la patine, il sera le kagda. Ou le produit dialecte, plutôt le service dialecte sans produit, sans patine, il sera le kagda. La cliente, elle va toujours chercher le moins coûteux. C'est-à-dire, il sera le moins cher, les balayages, mais des patines. D'accord? Et le résultat, il ne sera pas aussi beau qu'une patine. Donc, il faut savoir que les patines diamantes, il y a qu'on a le beau résultat, raviver le cheveu, il appelle la brillance, il referme l'équilibre, les écailles du cheveu, il appelle l'équilibre, le pH. Donc, surtout si on travaille avec les vibrances. Donc, moi, je vous conseille, mesdames, que mettez le choix. Haoulik le prix. On va être plus à l'aise. Après, pour les Chroma ID, vous pouvez les proposer la prochaine fois. Ou là, par exemple, une cliente qui est kératine, elle a la kératine, elle a un balayage ou la patine, ou trop de la patine dialecte. Donc, je vous propose comme un ayant. Pour vous dire qu'on est habillé, Thomas, il faut que vous sachiez, c'est-à-dire préalablement, il y a ce qu'on appelle comme l'appel que les patines sur des kératines, ça ne tient pas beaucoup. D'accord? C'est normal parce que les écailles sont gainées. D'accord? Donc, systématiquement, vous intégrez la deuxième partie, vous l'intégrez autant que déjà, la cliente dialecte, donc tu as le salon dialecte, en même temps, tu vas la gagner en confiance. Donc, intègre le prix, intègre 500 dinars ou 800 dinars, le prix tu as le balayage dialecte. Au coup, il y a le prochain brushing dialecte qui dit, déroule une partie, d'accord, parce qu'on a la belle blé en kératine, on met de l'âge, la patine de la bzaf. Donc, on colle à madame, si vous revenez, par exemple, c'est dans 2 semaines, on vous offre une patine et là, vous pouvez faire un chroma ID au lieu de patiner avec un produit. Déjà, tu vas gagner une cliente et en même temps, c'est-à-dire soyeux, et tu vas entretenir la famille qui a un entretien de patine. C'est-à-dire, tu vas injecter avec l'esprit ta lésime patine à chaque fois. Donc, il y a qui toile les patines, systématiquement, tu as tout le. Donc, une de fond, il y a tout le. Concernant les hauteurs d'éclaircissement pour chaque masque. Alors, les hauteurs d'éclaircissement pour chaque masque. Donc, on a les intenses. Qui m'a compris? Les intenses, c'est les qu'on a un minimum fond de 9. Les intenses, donc le pink, le rose, le violet, avec le limpsophion pink, violet ou red, il faut qu'on ait un minimum un fond de 9-10. Maintenant, on va parler des pigmentés, donc le chrène, comme la gamme, c'est que les hauteurs de ton, ils sont déjà indiqués, les masques dialogues, ce qui est, je trouve, très, très, très sympa et très clair. C'est-à-dire, ma cliente, elle est sur une base de 9 et je veux patiner, je fais les 9,5.
ma cliente elle a un balayage et le fonds d'éclaircissement d'elle a, il est un 8, je fais par exemple un 8,46 ou un 8,19, vous avez les 8. Par exemple, ma cliente, elle fait du 7,77, un cuivré intense. Et je veux raviver son cuivré, je vais faire le 7,77, les masques pigmentés. Donc, vous allez trouver les numérotations qui indiquent la hauteur de ton, comment je peux appliquer le masque d'Ali pigmenté. Donc, je trouve ça qui est très simple et très facile. C'est-à-dire, on va se retrouver facile. Il ne faut pas oublier un truc, on peut les mélanger bien entendu. C'est comme la colorimétrie, d'accord? C'est, y a pas de limite. Vous pouvez, par exemple, faire un 9,5-1 et vous les mélangez avec, par exemple, un 9,5-4. Vous pouvez mélanger un beige et un cendré, c'est le même masque. Vous le mélangez et vous appliquez pour avoir un beige froid, exemple. Donc, vous avez une panoplie qui est assez vaste, assez large. Donc, très bien, la boue qui met beau. En plus de ça, c'est zéro engagement. C'est-à-dire, même si, par exemple, le reflet beige, beige, match, beige, la cliente d'Ialco, de la modalité là, ou match, beige, et bien, prochain visite, il connaîtra déjà. Quelques lavages, parce qu'il connaîtra. Voilà. Vous avez des questions, mesdames? Est-ce qu'on peut mélanger les pigmentés et les intenses? Oui, on peut les mélanger, mais dans quel besoin? Il faut faire attention. Tout est mélangeable. C'est des masques. Ça reste des masques. Ça, oui, il y a le besoin. D'accord? Les intenses sont très, très pigmentés. Par exemple, si c'est ma cliente qui veut un colo, elle est sur une base de 9 et je fais un 9,5-1 et je fais du violet dedans, je risque d'avoir des mèches violées. Hein. D'accord? Donc, ils sont vraiment... tu peux les mélanger, mais il faut faire attention comment les faire. On dit les ingrédients. Je fais un déploiement et je m'en dis bizarre. Hind, on vous entend. Est-ce que vous avez une question? Ah, pardon. Vous avez une question? Non, j'ai activé le micro par erreur. Pardon. Il n'y a pas de souci. C'est bon, mesdames? Tout est clair pour vous? Alors, tout est clair pour vous, mesdames? Oui. Ça va jusque-là, ça va. Alors, Anna, je vais poser une question. Donc, quand est-ce que j'utilise le passe pigmentant? Le masque pigmentant, le 688. Ah ben, quand est-ce que je l'utilise? Ah, est-ce qu'on a la réponse? C'est pour raviver une couleur au lieu de mettre une pâte. Anna, j'ai bien précisé, comme le 688. Hein? Bon, ma cam, ils sont utilisables pour raviver des couleurs. Hein. Gars, les masques pigmentés, ils sont faits pour raviver une couleur. Mais quand est-ce que je peux utiliser le 688? Où est-ce que je peux information? Je fais. C'est pour une repigmentation des cheveux. Bon, c'est pour descendre des tons neufs. La repigmentation, vous parlez de repigmentation. Bon, pas forcément. Je peux l'utiliser, qui l'a dit aller? Non, pas vraiment, c'est pas l'idéal. Pour repigmenter, c'est faire une coloration stable. Hein? Donc, je préfère que vous faites un 0,88. 0,80, d'accord, c'est pas le 0,88 et non pas le masque. Ah, d'accord. Voilà. Mais l'idée, elle est bonne. L'idée de base, elle est bonne. Après, quand elle, j'ai utilisé le 6,88, qui la cliente d'Yali, maintenant, elle fait du rouge. Elle fait du rouge. Le 6,88, c'est un rouge intense. Hein. C'est un blanc foncé, rouge intense. Donc, wow. La cliente d'Yali, par exemple, elle fait du rouge ou le rouge d'Yali. Donc, la racine d'Yali, elle veut refaire
uniquement raviver sa couleur le temps qu'elle refait sa racine, je lui propose un 6,88 comme masque. Donc, elle veut du rouge. Voilà. Et je lui applique, même si la racine, il n'y a pas de souci, je lui applique, je laisse poser 10 minutes et je ravive le rouge d'elle. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Ah, normalement, ça va. Très bien. Alors, Yasmine, ça couvre un peu les cheveux blancs. Non, ça ne couvre pas. Parce qu'il n'y a pas d'oxydation. C'est-à-dire, ce n'est pas des pigments qui rentrent dans le chara avec la couverture de cheveux blancs. Donc, ce n'est pas fait pour la couverture de cheveux blancs. Ça va, tout le monde? Il n'y a pas de questions. D'accord, merci. Je vous en prie, Yasmine. Voilà, sur comme les questions, Kamel. Vous n'avez pas de questions, Kamel. Kamel Chatrin. Pardon. La hiver. Bonjour. Oui, dis-moi. S'il vous plaît. Je fais ça une erreur des sites qu'elle a déjà qui comptait. On a fait un balayage sur une base un peu foncée. On a fait le reflet orange entre le blanc et la racine. On n'a pas pu le rectifier. Qui va en rectifier? Alors, la base, elle est colorée ou naturelle? Elle est colorée. D'accord. Et c'est une base foncée, yak. C'est une base foncée. C'est un marron foncé, d'accord, normalement. D'accord. Et le balayage de là, il est dans l'éclair. Et en plus, Kentdale a une kératine. Ah, encore. Mais Fulwust, non. La zone intermédiaire, c'est ça? Oui. Elle a bloqué. La zone intermédiaire bloquée. Exactement. Alors, généralement, c'est le passage obligatoire quand on fait des balayages sur des bases foncées. D'accord? Le balayage sur des bases foncées, systématiquement, surtout si son cheveu il est kératiné, donc la zone intermédiaire, elle va, comme un beau résultat. Donc, t'appelles un orangé ou t'appelles un rouge, ça dépend le fond. T'as le titanine parce que là, j'ai fait un balayage qui est bête. Elle a la base colorée. Donc, il est loin que la base colorée. Donc, du coup, moi, dans ce cas-là, il faut corriger l'intermédiaire. D'accord? Donc, la zone toujours orangée. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que, par exemple, la zone intermédiaire, elle est sur un 6 en haut. D'accord? Ou le titané, il est sur un 8. On dit, elle est sur un 6. Ou le titané, il est sur un 8. Donc, la pâtisse, c'est orangé. T'as 6, ça dit orangé. Je vous conseille de travailler vibrance dans le cas. Donc, n'utilisez pas de coloration d'oxydation, ça ne sert à rien, ça ne va pas être corrigé. D'accord? Donc, utilisez vibrance. Ou Hikmi, la base, c'est à l'intermédiaire. Elle est sur un orangé, donc l'orangé, tu ben 6. Donc, on a un 6-12, parce que le 12 d'Ali, c'est le plus fiable, l'orangé avec les stagnants. D'accord? On a le 6-12 d'Ali. Exemple, hein, je ne connais pas le cas, mais je suis en train de vous guider par rapport à la situation. Donc, on a le 6-12 d'Ali avec du 6 volumes et je l'applique sur l'intermédiaire. Ou je vais aider le 12 avec. راح يكورجي لي هذيك لا زون انترميديير ويرجعها لي فواد ويرجعها لي شغل فوندو مع لو ريست دو سون بالياج داكور دونك ميتنون اذا خرج لك لو بالياج ديالها لو كان خرج لك لو فون ديالها في 5 فو بروني ان 5-1 داكور توجور ان فيبرونس دون تو لي كا بور كوريجي سو جور دو بروبليم لي يخرج لنا في الصالون فاتلو افيك فيبرونس. C'est plus sûr et vous êtes sûr d'avoir la bonne neutralisation et le bon résultat. Et généralement, ne vous inquiétez pas, ça arrive très très souvent. Surtout si la cliente, elle a fait beaucoup de coloration et tout, et elle a fait un balayage, donc forcément, avec le passage obligatoire, c'est à l'intermédiaire. C'est pour cela que vous avez les tutos. Dans ce genre de cas,
oui, la cliente est très foncée et on veut faire des balayages, généralement, on décolore uniformément. C'est-à-dire, je prends la mèche, je ne fais pas, c'est-à-dire, je fais pas le fond du blanc des codialés. Je décolore uniformément sur la ligne des mèches. On bagaille, il faut prendre deux patines différentes. Une patine qui soit légèrement plus foncée, la racine, par exemple, je prends un 7-1, je l'applique des parties à l'image d'y aller et j'applique un pastel, un 9,5-1 ou un 9,5-19, selon le besoin. Et je mets deux patines différentes, et ça va fondre, c'est-à-dire uniformément. Mais le fond, les interdoits, le même, c'est-à-dire il faut que le tartique soit équilibré. Hada, beaucoup plus, qui trouve la cliente d'y aller colorée, foncée. Et elle veut passer par un balayage clair. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. J'espère que j'ai éclairé un petit peu ta question. Merci. Je t'en prie. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur une problématique que vous avez rencontrée à l'utilisation des produits ou là, tout ce que vous voulez. Apparemment, gâchat à l'âge. Donc, les idées correctes. Oui, correctes. Donc, où est-ce que vous avez? Si on n'a plus de questions et si maintenant, comme je suis trop loulé, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se rejoint, Inch'Allah, mercredi prochain et à la présence de Roland, Inch'Allah, Ikon Mahana. C'est la même heure. Et Hicham, Hicham aussi. Ah, Hicham aussi, mais Hicham, je pense que c'est mercredi. Oui, ouais. Du coup, il y aura deux formations. Mercredi, d'accord, avec Monsieur Hicham, formateur marocain. Et avec Monsieur Roland pour thème de New Blanc Mi-Clay and Blanc Mi-Tanning avec le formateur libanais Roland. Ouais. Rendez-vous pour voilà. La semaine prochaine à 16h les filles, hein. Ne ratez pas. D'accord. Merci Nada. Alors, juste pour info pour les personnes qui mazal mahdourouch maana ma Hicham, Hicham c'est un formateur qui pourra beaucoup répondre à vos questions parce que ce qui est bien c'est que علاش حنايا on ramène des intervenants qui ont la même typologie de notre c'est-à-dire que notre pays par exemple Maroc c'est Diana, ils ont la même typologie. Donc et en même temps, ils partagent avec nous l'expérience de 20 ans de Schwarzkopf aussi. Donc c'est pour cela qu'il faut profiter assister ma vous posez quand même les questions qu'on peut rencontrer Ftera Diana. Donc, c'est un formateur idéal pour répondre aux besoins algériens, cheveux, typologie de cheveux algériens. Voilà. Donc, je vous tenais à insister sur ce point-là. Donc, d'ici là, je vous remercie, mesdames. Prenez soin de vous. Restez merci chez vous. Merci beaucoup, Bouchra. C'était vraiment... rien à dire, Laïbarek. Merci, Nada. Nada, c'est ça. À chaque fois, tu nous donnes des nouvelles. Autant pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il est enregistré. Merci beaucoup à vous. On se revoit très bientôt. Posez des questions sur Insta si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous vous bloquez sur un produit, si ça a comme Hadja et tout. Envoyez-nous sur la page et on pourra vous répondre. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Sinon, contactez la commerciale, tapez comme mon numéro, la contactez-moi directement. Je vais répondre à vos besoins. D'accord? Merci Nadiba. Donc, d'ici là, on colle quand même. Ciao. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao.